te dis, j'ai peur que tu ne crois pas. Comment parler de ces gens venus d'ailleurs qui ramassaient des pissenlits au milieu de la nuit. J'ai vu d'abord leur engin sous la lueur de la lune, puis des gens penchés dans un champ entouré de brume. Les criquets s'en foutaient pendant que moi j'en tremblais. Oh, ma maman était bien loin de son enfant à ce moment-là. Cueillir les pissenlits qu'on retrouve dans ce coin. Ils avaient l'air contents, c'était comme dans un banquet. Ils ramassaient en chantant des tas de bouquets. Je revoyais leur engin sous la lueur de la lune. Tous ces gens penchés dans un champ entouré de brume. Les criquets s'en foutaient pendant que moi j'en tremblais. Soudainement, ils m'ont demandé le plus court chemin pour Neptune. Oh, j'avais la voix plutôt basse. Je ne pouvais plus parler comme avant. J'attendais que les minutes passent sans un instant pouvoir répondre à leurs questions. Ils ont bien vu que je ne savais pas de toute façon. Et peu à peu ma voix est complètement revenue. Mais trop tard je les avais déjà trop retenus. J'ai vu partir leur engin sous la lueur de la lune. Monter au-dessus de ce champ entouré de brume. Les criquets s'enfuitaient pendant que moi j'en tremblais. Oh, ma maman était bien loin de son enfant à ce moment-là. Arriver comme une lointaine comète, puis repartir vers la prochaine planète. Telle est la vie de ces gens venus d'ailleurs. Tout ça pour quelques pissenlits au milieu de la nuit. Toi si tu vois un engin sous la lueur de la lune, puis des gens penchés dans un champ entouré de brume. Les criquettes te diront que c'est une bonne leçon. Ils te diront que ton voisin sait plus que toi ce qu'il fait de plus beau. Au bout de la rue, laisse-moi t'emmener les autres à cause.